Bonjour à tous les amis, c'est Valmore333 et Fanny qui est en train de dormir par terre, à côté de sa couche d'ailleurs. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur Conan Exil. Qu'est-ce qui se passe? Une créature démoniaque qui cherche à s'en prendre à moi, ça commence bien. J'aurais bien besoin d'un petit coup de main. Il veut rentrer dans notre baraque. Fanny n'est pas là quand on a besoin d'elle. Elle dort. Ça va bien se passer. Oula, j'ai plus d'endurance. Ça sent pas bon. Je vais me faire bouffer. Ah bah nickel. Tac, tac. Donc Fanny nous a rejoint, c'est bon. La remarque que j'y faisais hier, après notre tournage, c'est qu'elle n'avait pas d'épée, pas d'arme d'ailleurs, pas d'arc non plus. Un petit bout de bidoche parce qu'il a très faim mon personnage, voilà c'est parfait. On est à côté de l'eau, donc de ce point de vue là on est tranquille. Je vais me faire une gourde. Il faut de la peau pour ça. Alors, gourdinette. La gourdinette, je pense que ça doit être dans les points ici. Que j'ai dû la zapper. Ça, on peut se le permettre maintenant, c'est bon. Où est la gourdinette? Ça coûte un peu, mais c'est pas grave. Je peux pas me faire de gourde? J'ai dû la... Bah si pourtant, outre étanche. Comment ça se fait que je peux pas la construire? J'ai dû la zoop. Ah bah oui, elle est là. Il faut de la ficelle également. Je crois qu'on a ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, on a de grandes aventures à faire. Avec Fanny. À la conquête du métal. Petit coup de ficelle en plus. Niveau ficelle, on est vraiment pas ouf. D'autant que là, on en a plus du tout. Outre étanche. Elle est là. Tac. Et je vais pouvoir remettre les pots. Voilà. Les pots sont remises. Parfait. Je vais pouvoir remplir la gourdinette. Pour ça, rien de plus simple. On voit ici, là où il y a de l'eau. On fait utiliser. Voilà, ça la remplit. On en profite pour boire un petit coup. Est-ce que t'as mangé un petit peu de bidoche? Je t'en laisse un peu. J'en remange un petit coup et j'en garde un peu sur moi. C'est, oublie pas qu'il y a une limite de temps de consommation. Hein. Normalement, ça doit être proche de l'heure. Ouais, voilà, c'est une heure et quelques. Mais bon, il faut quand même penser à manger. Je ne me suis pas fait de tranchoir encore. Tranchoir en pierre, il m'en faudrait un pour avoir plus de bidoche. Par rapport à la, au couteau à dépouiller, chers amis. Pierre. Parce qu'il faut de la fibre végétale pour la ficelle. Ouais, c'est ça. Alors, moi il me faut... C'était quoi déjà? Pour le tranchoir. Des cailloux et de la pierre. Alors le gros avantage qu'on a à faire une coop, c'est que là où moi je vais pas forcément beaucoup me concentrer sur les points à mettre en survie et un peu en encombrement quand même, Fanny va pouvoir se concentrer là-dessus. Un petit peu en survie quand même, histoire de pouvoir ramasser un peu plus de merdier. Niveau poids, je peux transporter combien? 112, ouais, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai mon tranchoir, c'est parfait. C'est le seul truc qui manquait à ma roue. Voilà. Pour récupérer plus de bidoches. On va d'ailleurs partir à la chasse de ce pas. Nous avons une créature démoniaque. Tant qu'on peut rester à l'arc. Bon bah là on peut plus.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas comme ça? Reviens ici, créature du démon! Mais sa vie remonte en plus! Mais qu'est-ce qu'elle fait cette créature? Elle est buggée! Hop là, esquive! Parfait! Petit tranchoir. Ça nous fait... Oh! Beaucoup plus de bidoches là! Avec ça, on est refait. Je fais cuire immédiatement toute cette hérésie. Voilà. C'est bien tout ça. Parfait, on a de quoi manger un peu. Je vais manger mon petit morceau que j'avais sur moi. Nous avons des exilés là-bas, mais qui ont l'air plutôt bien équipés. On n'est pas encore équipés pour l'instant. Il nous faudrait plus de peau que ça, donc on va aller chercher de la peau. Les gâchettes. Pour mettre, les gâchettes pour mettre de la viande à l'intérieur. Et pour la récupérer aussi. Je vais partager ça. Hop. Tiens, je te laisse de la viande dedans. Je m'en suis pris deux morceaux. Ah bah, attends. Bah, si tu la mets par terre. Ah mais elle est pas cuite. Du coup, t'as intoxication alimentaire, c'est malin. Allez, go! Allons à la chasse. Alors déjà, on va remonter sur notre précédente vidéo. On devait aller voir les fantômes qu'il y a là-haut. On doit aller les voir. Il y a une créature du démon, là. Ah, il y en a deux, même. C'est embêtant, ça. On se calme, on se calme. Les niveaux montent. Estropier un ennemi. Alors, les petites dagues, ça marche bien? Fanny est une ninja. Et on va bien sûr récupérer leurs œufs au passage. Hop, pour se faire une omelette. Et les fibres qu'il peut y avoir autour, il y a des petites fleurs, des feuilles d'aloès. Ah, une petite tortue, on pourrait s'en faire une de compagnie. Bien sûr, vous pouvez les tuer, ça peut vous rapporter un peu de bouffe et tout ça, mais moi je vous invite à pas le faire. Parce que vous pouvez tout simplement les ramasser pour vous en faire des compagnons. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais laisser ma truc remonter, sinon j'aurai pas assez pour monter jusque là-haut. L'escalade qui est plutôt bien foutue, hein, le gameplay à l'escalade dans ce jeu, c'est une idée auquel il fallait penser. Je suis monté. Je fais gaffe parce qu'hier, quand on est passé par là, il y avait des monstres, des bubons, des tuméfactions vivantes. En haut. Voilà, les fantômes. Oula. Regardez-moi cette tuméfaction sur pattes. Une tumeur. Est-ce qu'il donne de la peau? Ouais, un peu. On vous fera tout ce qu'il y a de possible en scénario. Enfin, je connais pas encore tout de ce jeu au niveau du scénario, mais... Y a pas un petit bouquin quelque part ici pour apprendre des emotes ou des trucs comme ça? On va aller sur le pont, tiens. Jusqu'à l'endroit où il est cassé. Donc il y avait une femme et un homme. Et un cheval, exactement, ouais. Alors à l'époque, probablement que le pont n'était pas brisé. Ouais voilà, le pont n'était pas brisé. Est-ce que c'est de l'eau en dessous qu'on puisse sauter ou pas? Bah attends, que je vois si c'est... Ah oh, c'est de l'eau en dessous. Je pense qu'il y a moyen sans se casser une jambe. Hein.
Moi j'ai envie de le tenter quand même. Attention. Youhou! Ah, eh ben moi si. Bah moi je suis sur la terre. Moi je suis tombé bien dans l'eau. Alors que Fanny s'est suicidée. J'ai entendu tes os se briser au contact du sol. Où est-ce que t'es tombé? Où est-ce que t'es tombé? Ah oui, là! À côté du camp d'exilé. D'ailleurs, on va aller le défoncer. Viens ici! Espèce de sac! Ah, c'est une femme! Pas de pitié! Ouh là 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 là. Là il y a monsieur. Voilà. Petite lettre, on récupère tout, on les pille bien sûr. Et on va même aller au-delà de ça. C'est qu'on va carrément dépouiller ces personnes. Ça donne un max de peau. Et la peau, on en a besoin. C'est bon, le cadavre est pillé totalement. Je le vire. Hop. J'ai récupéré des bras tranchés. On va pouvoir mettre des patates aux gens avec. La nuit commence à tomber. Alors sachez une chose, hein, chers amis, c'est que sur le serveur, j'ai réglé pour que la nuit ne dure pas trop longtemps. Elle dure à moitié moins que le jour. C'est une volonté de ma part pour ne pas... Parce que la nuit, on voit quasiment rien, donc... Ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Un lapin ! Démon ! Alors peut-être plus le tranchoir pour le lapin. Voilà. J'ai pas mal de peau. Je vais récupérer ce que je peux de bois et de pierre dans le coin. Je suis là. Regarde, j'ai ma torche. Ce qu'on peut de bois et de pierre pour que pendant la nuit je fabrique le maximum de d'établis, de chevalets de tannage, etc. etc. Parce qu'on est arrivé hier sur les terres de l'exil, mais ça y est, dès aujourd'hui, c'est déjà l'âge du fer. Hein. Parfait. Faudra que je mette une torche chez nous pour qu'on repère la maison, parce que... À part les camps d'exilés, on a du mal à repérer notre propre maison. Elle doit pas être loin, elle est juste là, voilà. Des branches par terre, je ramasse. Les nuits sont plutôt jolies, hein. On peut pas se le cacher, alors on voit absolument que Pouic, donc une petite torche serait de bonne aloi. Ouais, d'ailleurs je vais mettre une torche par terre, voilà, comme ça on peut beaucoup mieux faire des choses devant notre maison. Alors, quelles sont ces choses? Déjà je vais ramasser toute la pierre et le bois qui sont possibles, si tu as en mettre dans le coffre, mets-les maintenant, que je puisse avoir les mains libres pour construire. Un coffre supplémentaire, je pense que ça va s'imposer parce que deux coffres, ça va pas être suffisant très longtemps. Voilà, parfait. Tu peux retourner à la chasse si tu le souhaites. Tac. À niveau cailloux et tout, c'est pas ouf, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Les ficelles, je prends. Alors, je suis trop lourd du cul, forcément. Le jour commence déjà à se lever, c'est parfait. Du coup,
Il nous faut... Ah, de l'écorce. C'est vrai qu'il faut de l'écorce. Fourneau, ça va nous servir. Ah, il me faudrait le chevalet de tannage et puis l'établi d'armurier. Ouais, il faut vraiment caillasse plus bois et de l'écorce également. Donc on va aller ramasser tout ça ensemble. Sur l'île à côté, comme on a fait un peu le ménage, on a toute la zone de libre. Fourneau, je le mets à l'entrée de notre maison. Voilà. On commence gentiment. Par contre, niveau pierre, on est à sec. Je vais faire cuire ce que j'ai récupéré. Je suis obligé de jongler avec la souris hein, de temps en temps. J'ai besoin de plus de pierres. Ça tombe bien, il y en a là. On répare la pioche. Parfait. Est-ce que j'ai pris un niveau? Oui. Je vais tâcher de récupérer plus de... Les points en survie, ça vous fait récupérer plus de ressources, chers amis. Sachez-le. Ça peut être intéressant d'avoir au moins le premier palier en survie. Au moins. Alors, pour récupérer de l'écorce, la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai galéré un petit peu. Parce que j'ai pas tout de suite compris pourquoi... En fait, ça faisait pas vraiment de sens pour moi, mais bon. Maintenant que je le sais, c'est beaucoup plus simple. Hein. Pour récupérer de l'écorce, il suffit tout simplement de taper des arbres avec la pioche. On en récupère généralement assez peu. Là, j'en ai même pas récupéré du tout. Ah, ça y est, j'ai récupéré de l'écorce. Et en plus de ça, ça bousille littéralement les pioches beaucoup plus vite hein, de faire ça. En ne récupérant qu'une quantité très très limitée de bois en plus. Mais dans la suite des opérations, on pourra se fabriquer en acier. Ça commence avec l'acier, je crois. Des haches piolées qui font en fait hache plus pioche. Ça fait les deux. Ce qui nous permet sur les arbres de récupérer autant de bois finalement que d'écorce. Ah. Et comme je disais, ça casse extrêmement vite quand on s'amuse à taper les arbres avec la pioche. Mais il nous faut de l'écorce. Pour le chevalet de tannage... qui va être primordial pour nous faire du cuir et avoir notre première armure, chers amis. On va pas rester habillés comme des clodos. Je ramasse en même temps quelques fibres. Bon, ça me permet de ramasser aussi un peu de bois, mais bon, pas autant que si je travaillais avec la hache. Il nous faut aussi de l'écorce, hein. Pensez-y. Je sais plus combien il en fallait. Pour le chevalet de tannage, il en faut 30. Oh là 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 là, c'est cher. Parfait, tac. Alors j'ai... ouais. Toi. Mais ce lapin! Ce lapin démoniaque! Fanny, elle va être notre running gag, notre fil rouge de cette série, puisque elle va mourir à chaque épisode.
Oui, mais moi j'ai sauté dans l'eau et c'est passé. C'est passé. Bon, j'ai réussi à en récupérer. Je vais essayer d'en accumuler un petit peu quand même. De l'écorce en plus. Si je pouvais en avoir une quarantaine. Parce que l'écorce fait également fonctionner le chevalet de tannage. Donc, plus d'écorce. Et ça veut dire que je pourrais avoir le chevalet, mais que je pourrais pas le faire fonctionner. Ce qui est embêtant. Ah bah là, je peux pas t'aider. Je suis pas dans la zone du tout. Alors, j'ai visiblement foiré mon coup. Ah mais j'arrive pas à le remettre lui, hein. Voilà. Aïe. Désolé, chère tortue, j'étais occupé. Plus de bidoche. Voilà que j'aille faire cuire tout ça. Alors, on va boire et manger parce que là, c'est chaud. Parfait. C'est enchaîné tout ça. Vous avez les objectifs du périple que vous voyez en haut à droite, hein. Vous inquiétez pas, on ira les faire. Salut petite tortue. C'est des schkitosaures, je crois ça s'appelle, je sais plus le nom exact. C'est un... Ah, parce que t'es encore morte? Bah oui. Ah là 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 là! Ah là 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 là! Mais c'est fou! Elle ne fait que décéder! Qu'est-ce que ce sera quand on va lui donner du matos en métal étoile? Allez, direction la maison. Ah, mais t'es sur la maison là! D'accord. Tu veux que je te débarrasse de ça, je suppose. Voilà. Mon corps est juste derrière. Wouah. On sent bien que je ne suis pas un archer parce que l'endurance, je fais 2 tirs et je perds toute mon endurance. Faudrait que je me rajoute un peu d'endurance. Ah, loupé. Je louperai pas 2 fois, mon salaud. Par contre, il a vraiment pas l'air de se formaliser de ce que je lui fais, mais il reprend beaucoup trop de vie. Ouais, c'est bon parce que je me suis rapproché. Viens ici, mon gros, viens. Viens, on va discuter. Qu'est-ce qu'il fait? Il est bugué dans l'eau. Ah, ça y est, j'ai réussi à le débugger un peu. Je suis là. Il est bigleux, ce croco, je le sens. Ah ah! Tu m'auras pas comme ça, mon gars! Tâchez de reprendre un peu d'endurance. Je loupe tous mes coups. Voilà! Parfait! Allez, mon gros. Donne ta bidoche. Regarde-moi ce petit déhanché là! Ouais, j'avoue. Alors, on va faire cuire la chair humaine. La bidoche également. On fait cuire le tout. Allez, hop, c'est parti. Tac. J'ai de la viande putride. Malheureusement, on n'a pas de machin de compost pour l'instant. Donc, je suis obligé de m'en débarrasser. L'écorce. Du coup, avec ce que j'ai, je devrais pouvoir me faire le chevalet de tannage. Il me manque de la pierre et des ficelles. Ok. Pas assez de fibres végétales. Tac. Plus de pierre également. Est-ce que tu as récupéré tout ce qu'il y avait sur ton cadavre? Oui. Parfait. Ah merde! Le cadavre, il était déjà décomposé. Tant pis. Ma torche, ici. C'est bon, tout est rangé à sa place. Parfait. Alors, du coup,
Chevalet de tannage. Combien il me reste de flèches? 35. Ça a l'air de le chatouiller visiblement parce qu'il s'en formalise pas. Je vais donc continuer de la sorte. Ah mais il s'enfuit en reprenant de la vie le sac. Bon, j'ai plus d'endurance. Ah ça y est. On a réussi à attirer son attention quand même. Elle est pas contente, hein. Non mais dis donc. Aïe. C'est pas mal, hein, les dagues. Hein. Ça fait quand même le café. Par contre, t'es pas tellement protégé. Par un bouclier, par exemple. C'est bien, les boucliers. Et surtout, c'est primordial dans ce jeu pour commencer. Alors, on a notre chevalet de tannage. Ce qui est une excellente nouvelle. Je vais le mettre à côté des fourneaux, voilà. Pour l'instant, on entasse le bordel, hein, chers amis. Vous en faites pas, on se fera une vraie forteresse. Je la ferai en neuf, parce que ça va nécessiter pas mal de travail, je pense. Et de ressources également. Mais c'est ce que j'allais dire, pas mal de ressources. Avec le chevalet de tannage et quelques écorces que j'ai pu récupérer. Alors ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. On devrait pouvoir se faire du cuir. Voilà. Ça va travailler tout seul. Ici, on n'a pas besoin d'en s'en servir pour l'instant. Il nous faudra un peu de fer aussi. Que dirais-tu d'aller chercher avec moi du fer ? Je sais où en trouver dans le coin, juste derrière chez nous, là-bas. Il suffit juste de se débarrasser de ces deux créatures démoniaques que l'on appelle des humains. Oh, cette esquive! Mais leur vie remonte, c'est fou. Attends, viens, viens, pousse, pousse, viens par là. Voilà. Aïe, 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 aïe. Elle va m'estropier. Parfait. Oh là là, coupée en deux. Et elle avait sur elle un morceau d'armure en cuir en plus, c'est parfait. On va les dépouiller. Voilà. Ça fait toujours de la peau en plus. Et de la chair humaine à manger. C'est très appétissant. Alors, la fameuse ferraille. Ouais, des fois, c'est pas de chance. On a que de la pierre, mais on a extrait un peu de fer quand même. Moi, j'ai extrait un petit peu de fer. 6 morceaux. Je vais mettre le pantalon. Oh là 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 là, la jupette! Ça me donne un style tout à fait qualitatif. Hein. Cette petite jupette. On va laisser... Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Alors, lui, il est un peu plus balèze. Oula, ça pique. Je laisse t'occuper des petites, je m'occupe de la grosse. Bah c'est nickel ça, on gagne des levels en plus. Tu t'en sors ou tu prends trop cher? Bon. Tranchoir. Ça va nous faire pas mal de bidoche cette affaire. 11 morceaux de bidoche, on a de quoi faire avec ça. Est-ce que j'en ai un peu sur moi? Non, j'en ai pas de la cuite. Une petite tortue qui va retourner à son nid et constater que sa famille entière est morte. Il y a des éléments de scénario au-dessus là de ce pont, enfin de l'autre partie du pont, mais on ira plus tard parce que malheureusement on risque de rencontrer des créatures
beaucoup trop haut level pour nous pour le moment. On va esquiver le camp d'exilés qui est un peu plus loin en grimpant par là. Hop. Je vais trouver une zone où grimper, si bien sûr on ne me gêne pas. Ah, on peut pas grimper par là? C'est embêtant ça. Parce que les exilés là-bas vont vraiment nous gêner. Ah, c'est bon. J'ai pu grimper. Faut qu'on esquive les crocos qu'il y a là-bas et les exilés qui vont avec. Alors, j'ai continué le long de la route. Est-ce que t'es arrivé au niveau du nid? Là, là, vas-y, monte. Fais gaffe, tu peux pas monter de partout ici. Sinon, tu tombes. Là, monte là-haut, en dessous de là où je suis. Juste en dessous de là où je suis. C'est là que je suis monté. Ça grimpe assez bien, là. Ah merde, faut pas que je retombe. C'est bon? Parfait. On va aller affronter les sacs qui se trouvent un peu plus loin et qui gardent de la bonne ferraille. Ah, visiblement j'ai attiré l'attention d'un... Oui, d'un croco. On va descendre de là. Allez, viens mon gros, descends. Il est bugué un peu, mais il arrive. À son rythme. Le gros avantage des dagues, c'est qu'elles font saigner. Et le saignement, ça fait des dégâts de ouf. Parfait. On va dépouiller cette fois. Peau de reptile. Pas par là. Ah si, là-bas, il y a un petit bout de ferraille, là-bas. Je m'en occupe. Attends, on a des points à mettre. Je vais les mettre en survie, un peu. Plus de force. Ouais, tu m'as pas laissé faire, alors j'aurais pu en ramasser plus, si ça se trouve. Faudra que tu te spécialises un peu, qu'on mette pas les points au même endroit tous les deux. Bah là, j'en ai mis un... De toute façon, tu peux réinitialiser si besoin. En agilité et en survie. Ok, bah je vais peut-être arrêter de mettre des points en survie. Ouais, ça je veux bien parce que c'est moi qui le fais. Alors là, on a... Putain, c'est que de la pierre que ça donne. Un petit peu plus bas, on en a encore. Qui m'attaque? Ouais, bah je vais la laisser me courir après. Quoique là... Ah non, c'est toi qu'elle attaque, bon. Bah tant mieux, je récupère ma ferraille. Il nous en faut un maximum. Faut pas me le dire deux fois. Alors, un peu plus bas encore, il y a encore de la ferraille, si je ne me trompe pas. Ah, je suis coincé ici sans endurance. Hop. J'ai besoin de manger un peu, moi, mais le problème, c'est que j'ai que de la viande pas cuite sur moi. Ici, il y a un boss, vous pouvez le voir là-bas. On va faire tout pour l'esquiver, ça serait préférable. Parce que c'est un boss que pour l'instant, nous ne sommes absolument pas taillés à affronter. Il risque de nous one-shot. Tu ne nous as pas vus. Tu ne me vois pas. Voilà. Il ne m'a pas vu. Il y a encore un petit peu de ferraille. Je vais peut-être même aller au niveau du désert, à l'entrée du désert, il y a encore un petit peu de ferraille. Quoi qu'on pourra peut-être y retourner plus tard au désert pour récupérer beaucoup plus de ferraille. Je pense que ça peut aller pour le moment. C'est bon, j'ai tout récupéré. On peut rentrer à la maison. Ah, le croco, combat de croco contre tortue. C'est probablement le croco qui va gagner. Mais cela ne nous regarde pas. Il faut absolument que je bouffe dans quelques instants. Sinon, le décès sera... La tortue, elle est morte. Ah, c'était évident, ça. On va traverser par là pour rejoindre notre baraque. On s'est quand même éloigné un peu, là, hein. Je vais reprendre de l'endurance avant de plonger. Hop.
Tu m'as suivi, non? Ah, je te vois là-bas courir. Toi, tu repasses par exactement là où on est passé. Moi, je... Non, c'est surtout que j'ai pas suivi. T'as pas suivi. Hérétique. On récupère l'endurance, la précieuse endurance. Ouais, ouais, mais sur ce camp d'exilés là, on pourra pas y aller tout de suite parce qu'on risque de se faire démonter. Mais ça viendra. Parce que t'as dû être vu par les crocos, je pense. Un lapin. Oh, j'ai réussi à louper ça. Il est fait en scénarium ou quoi ce lapin? Les poignées d'insectes ça m'intéresse pas, c'est les peaux et la petite viande. Encore un lapin mais on va le laisser tranquille celui-là. Je vais passer par là en essayant d'esquiver les deux. Ouais. L'autre est là-bas, il a pas vu pour l'instant. Approche, approche. Oula. On va éviter de se faire pic-pic. Oula la la la. Et j'ai le droit à un petit chapeau, un petit turban. Oh là 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 là, ce style. Allez viens mon gros. Oh, il a une hache, hein. Lui il rigole pas. Pour l'instant, on n'aura pas de... d'esclaves, mais ça va venir. C'est prévu également. Oh là là, mais ils ont tous les morceaux d'armure, quoi. Me voilà avec le haut. Oh là 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 là. Ce style. Cette qualité dans les vêtements. Je suis déjà pratiquement intégralement équipé en armure de cuir. Il restera plus qu'à t'équiper, toi. Alors, la caillasse, on l'a remet à sa place, ça aussi. Est-ce qu'on a eu du cuir du coup? Je vais mettre toute ma bidoche à cuir tout de suite. Si t'as de la bidoche à faire cuire aussi, pense-y. Les insectes, on va se faire une nasse. Combien? Qu'est-ce qu'il faut déjà pour se faire une nasse? Je crois que j'ai pas pris le point d'aptitude. Ah, le tas de compost, ça peut être sympa. J'ai pas de quoi faire la nasse. Celle de cheval de guerre, pour l'instant, on n'a pas de... On n'a pas de quoi. Quoique, je peux la prendre, c'est pas pour le prix que ça coûte. Ça nous intéresse pas pour le moment. La meule, on fera ça plus tard. Ah, c'est là. Nasse. Le séchoir aussi, ça peut servir. Alors, les nasses, il faut quoi pour faire une petite nasse? Oh bah tiens, j'ai ce qu'il faut, parfait. Ça permettra de récupérer des poissons et de consommer nos petits insectes, chers amis. Qu'est-ce qui vient nous embêter, lui? C'est chez nous, ici. Il faut absolument que je mange. Parfait. Alors, la nasse. Tac, hop, on la fout dans l'eau. Parfait. Et on met tous nos insectes dedans. Sauf les abeilles reines. Enfin, les reines ouvrières. Alors, je suis affamé. On va manger immédiatement. Voilà. Comme ça s'est réglé. Les abeilles ouvrières, il faut les ranger. Elles vont servir pour autre chose plus tard. Eh ben, t'as des insectes là. Je vais les prendre et les mettre dans la nasse. Oh là 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 là! J'ai une masse en fer exceptionnelle. C'est la boule qui pique, hein.
Et du coup, tout le fer que tu as récupéré, je t'invite à le mettre dans le fourneau. Ah, ok. Bon, bah attends, je vais récupérer ça. Je me démerde, c'est ça? Hop. Non mais ça comme ça me fait plus une place moi pour récupérer Pas de soucis. Avec du bois et ça devrait tourner sans problème. Voilà, les lingots sont en train de se faire. L'âge du fer est en cours. J'ai dû récupérer aussi du cuir et du charbon. Du goudron plutôt, puisque le goudron, bizarrement, quand on tanne, ça donne du goudron. Non, quand on tanne de la peau, ça donne du goudron en plus du cuir. Par contre, il y a plus assez de, j'ai plus assez d'écorce pour pouvoir continuer à traiter de la peau. Alors, il me faut dans l'ordre. D'accord. Établi d'armure. Oui, bonjour. Je vois pas ta torche. Ah d'accord. Parce que je te vois la porter, mais je te vois pas avec. Pour qu'on s'équipe un peu, il me faudrait l'établi d'armurier. Il faut beaucoup de pierres, beaucoup de bois, beaucoup de ficelles. L'établi de charpentier pour se faire des arcs. Et bien sûr, l'établi de forgeron. Il faut brûler, enfin, il faut mettre au fourneau de la pierre pour en faire des briques. Donc il faut vraiment masse de pierre là. On est en manque croissant. Je vais aller t'aider aussi. Mais j'aimerais bien me faire une petite pioche en fer qui permettrait de ramasser beaucoup plus. Tiens, je vais mettre les insectes dans la nasse. L'écorce. Tac. On relance le processus. J'ai 11 lingots, je pense que je dois avoir ce qu'il faut. Ouais, mais j'ai pas l'établi d'armurier, donc pour l'instant, enfin l'établi de forgeron. Donc pour l'instant, c'est inutile. Allons à la chasse à la caillasse. J'ai pas récupéré plus de points que ça, non. Alors, avec les points que j'ai là, je vais me prendre la roue de la souffrance. Et est-ce que je peux me le permettre? Ou est-ce qu'il faut que je sois plus haut niveau pour ça? Tablier d'artisan, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Oh, des vrais coffres. Ça, c'est bon, ça. La ferraille. Hop, on prend les points. Pareil pour le bouclier. Cogneur, maillet. Arc léger crânien. Lance de cavalerie. On n'en est pas encore là non plus. Faut pas déconner. Les religions, pour l'instant, on va pas s'en occuper. Je sais plus où est passé. Je crois qu'il faut peut-être monter un peu plus en level. On n'est que 20 pour l'instant, donc. Avec Fanny, on est en train de piller les ressources de cette zone. Parfait. Où est-ce qu'on peut trouver de la caillasse encore?